Donc on se retrouve sur Lazara Summit Kingdom pour une seconde vidéo. Alors j'espère que la première vous a plu énormément. Je n'ai pas eu encore le retour car là en fait j'enchaîne, j'ai voulu attendre. Mais je suis impatient de continuer et ça m'évite de perdre mes automatismes. Je verrai ça donc sur la troisième vidéo pour les retours de la première. Donc on va partir soit on avait dit sur le repos du diable ou sur Serpic. Serpic on a l'importation de la laine, du cèdre pin et de l'encens et à l'exportation des ustensiles, du fourrage, du thé au beurre et du cèdre décoré. On peut trouver des gisements de cuivre, de cristaux, de sel et d'or. Pas beaucoup de rivières, il y a vraiment chose standard. Bon. Et zone végétale limitée. Repos, zone végétale équilibrée. On a du cuivre et des cristaux, on peut importer du sel, des décorations et des parfums, on peut exporter des ustensiles, du poisson et de la viande fumée, rivière peu nombreuse et avalanche standard. Donc, allez, je ferme les yeux et je cliquerai sur celui qui est le plus proche de ma souris. Paf! D'accord, on est là, donc ça sera Serpic. Allez, c'est parti. En novice, bien sûr, en novice, on débute, en tout cas moi, voilà, j'adore ces jeux-là, mais j'en fais jamais quasiment. Le dernier un petit peu dans ce style, c'était même pas, oui, c'était même pas ça, c'était de la gestion, mais c'était une gestion de station essence. Alors vous imaginez bien qu'on était loin des forages en pleine montagne. Donc là on est parti. Alors. Oh c'est joli non? Ah voilà une fort belle montagne. Nous n'y sommes pas encore installés, mais je vois tout ce qu'il vous faut pour établir une colonie. Je ne suis pas sûr, il n'y a pas beaucoup de terres agricoles. Oh allons, l'orge ne fera pas de difficulté pour pousser un peu plus en altitude, ne perdez pas la foi. J'ai moi-même du mal à croire que je dis ça, mais cet endroit est loin d'être le pire possible. C'est vrai qu'il y a pas mal de mines de cuivre. Regardez-moi tous ces gisements. J'ai bon espoir que nous puissions fabriquer de belles choses ici. Vous savez quoi? Vous avez raison. Avec la positive attitude, nous pouvons y arriver. Alors, le début est où? Ici. Ouais, effectivement, on est pas mal là. Deux belles zones. Donc là on va mettre on mettra les petites celles-là, je sais pas. Elle m'a l'air plus petite. Mettrions-nous pas plutôt ici les artisans les citoyens et là les artisans. Ouais non. Non on va commencer comme ça, on s'en fiche. Donc là il nous faut 20 citoyens, accès à 20 œufs. Donc ça, on va le placer comme dame, un petit peu centré, voilà, comme ça. Là, on rejoint la route. Tac. Comme sur la première vidéo, on l'encadre. Une fois que c'est fait, qu'on a rallié le pont, donc on voit bien qu'il nous demande 7 habitants, mais nous, il nous en faut 20. Donc on va faire 5 maisons. 5 maisons, 5 huttes d'habitants des plaines. On va faire une là. Je regarde si... Ouais, c'est bon, une là. Une là. Une ici, une là. Ça nous en fait 5. Et donc là, il nous faut des œufs. Donc on l'a dit, hein, les œufs, c'est pareil. Hein. On va chercher ça dans nourriture. Production d'œufs. Je vais voir si je peux éventuellement mettre ça ailleurs. Non, ici, c'est pas mal. Je vais rester ici, puis j'irai peut-être mettre des fourrages ici, ou des yaks. Tac, voilà. On balance ça là-dedans. Paf, donner à 20 citoyens accès à eux. C'est fait. Ensuite, avoir 6 huttes d'habitants des plaines au niveau 2. Très bien. Alors pour le niveau 2, forcément, là, les objectifs en cours sont un peu plus espacés. Ça nous donne libre cours, en fait, à notre imagination, pour installer ce qu'on veut. Faire croître notre village de la façon dont on veut le faire. Donc on va déjà cliquer sur une maison, voir ce qu'il leur faut. Donc il leur faut de la tsampa, donc de l'orge et du fromage. Également un hôtel à prière, ça c'est pas compliqué à faire, on va faire ça. Alors hôtel à prière. Est-ce que je joins les 5? Oui. Voilà. C'est bon, ça c'est fait. De l'orge. L'orge, la ferais-je pas par ici? Il faut que je puisse monter ici. Éventuellement, je verrai. Là, il faudra que je monte aussi. Ouais, les gisements sont là, les veines. Hein. Très bien. Ok. Donc, nourriture. Tsampa. Donc, on l'a vu, hein.
toujours vérifier avant. Ouais, bah de toute façon, là, ça va aller vite. Hein. Éventuellement, faire une petite route qui part comme ça. Ouais, non, ici. La route va partir de là. Hop, voilà. Donc je vais installer. Je peux le mettre là, ici. Parfait. Ensuite nos champs. 1, 2, 3. Ah non! Et 4. Non, pas besoin. Est-ce qu'il est assez loin lui? Non, c'est bon, il a bonne distance. Parfait. Donc là tout va bien, il nous faut des yaks et une nouvelle maison. Donc construisons une nouvelle maison. Je vais la faire... Je vais la faire là ou pas? Allez, je la fais ici. Voilà, du yak. Pâturage pour yak. Je peux en faire un ici. Ah c'est... C'est short hein, quand même. Un là. Et un là. Ouais, c'est... ça va être tendu. C'est vrai que la zone n'est pas si grande que ça. On va faire avec. Hein. Et du coup, il me faut encore des habitants des plaines. Par contre, du fromage. De toute façon, il va m'en falloir forcément pour la fromagerie des résidents. Donc on en refait. En même temps, pour l'instant, effectivement, on n'a pas fait beaucoup de maisons. 2, 4... Ce que je vais faire là, c'est pour éviter de me faire avoir. Je vais faire mon pont tout de suite. Ça évitera d'avoir des surprises. Voilà. Ça c'est fait. Ici, il faut quoi? Une route aussi également. Et puis là, une route aussi. Je vais lui mettre comme ça, il sera content. Ok, ok. Donc j'en ai 6 d'avance. 312 en finance, on est bien. J'ai 10 yaks également d'avance. Et donc là, il leur faut, on a dit, du fromage. Donc, nourriture, fromage. 2 habitants des plaines, moins 4 en entretien et 25 en coût de construction. Pourquoi pas? Donc, je vais installer ici. Et mettre les tables à yak. Là, pas mal. Ok, on peut augmenter tout ça, c'est parti. Voilà, nous sommes passés au niveau 2 avec nos citoyens. Le cuir ne manque pas par ici, nous devrions en profiter. Le cuivre est un si beau métal. Touchez-le et vous aurez une sensation de froid. C'est parce qu'il absorbe très vite la chaleur de votre corps. Ah, d'accord. Je me dis qu'à l'avenir, on pourrait l'utiliser pour faire voyager la chaleur ou même d'autres formes d'énergie sur de grandes distances. Un visionnaire, un visionnaire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Admettons, c'est un métal intéressant pour les ustensiles de cuisine. Ah oui. Oui, gardons la tête froide. Chaque chose en son temps. Tout à fait. Alors. Maintenant, donner à 60 citoyens accès à ustensiles. Donc comme on l'a vu dans le tuto, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faille qu'on fasse un second clan, entre guillemets. Une seconde caste ici, la caste des artisans, car ce sont eux qui vont pouvoir travailler les ustensiles et les proposer après à nos citoyens. Donc, celle-là n'est pas passée niveau 2. D'accord. Celle-là non plus. Bah, admettons. Et pourquoi elle n'est pas passée niveau 2, celle-là? Il manque quoi? Ah, la prière. Ok. On va leur mettre un petit hôtel de prière. Voilà. Paf. Ensuite, donc, on part sur une nouvelle zone.
toujours pareil. Donc par contre on a dit, on montrera par là. Je vais la mettre comme ça au pire. Tac. On va faire ça comme ça. Comme ça je pourrais mettre éventuellement, je le mettrai ici, je vais mettre les baraques sur le dessus en laissant un passage pour aller sur le palier supérieur et faire autre chose, hein, on va voir. Et ici je laisserai la place pour le magasin d'artisanat, l'ustensile, la vente d'objets. Alors par contre, ça nous fait quand même une trotte hein, pour aller chercher tout ça. Car il va falloir monter. Oui après je ne fais qu'un chemin pour l'instant, au pire. On va attendre. On va attendre pour faire tout ça. Pour l'instant, il nous demande juste des ustensiles, il ne nous demande pas autre chose. On n'est pas encore au niveau. Après ça dépend, est-ce que je peux le faire? Oui. Le magasin d'accessoires est faisable. Je vais l'installer tout de suite, ça sera fait. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est on peut pas les changer de sens. J'essaie. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. On va mettre ça ici. Lui, je vais l'éteindre. Pour l'instant, voilà. Il ne sert à rien. Mais au moins, il est installé. Ça va me permettre comme ça de construire autour. Donc, nous, ce qu'on va faire, il nous faut 60 citoyens. Accès. D'accord, très bien. On va commencer doucement. On va mettre une dizaine de baraques. Trois. Quatre. 5, 6, 7. Aïe aïe aïe! Ah non! Ah bah là c'est bon. Oh j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Par contre, oui, il va falloir bloquer ça car si on passe par ici pour aller chercher le cuivre, il faut quand même sécuriser cette zone. Hein. Bah ça tombe bien. On aura du bois ici pour contrer cette. Avalanche niveau 1, ok, un flocon, parfait. Ça nous servira ici pour faire du cèdre. Très bien, oui, on va faire ça là. Du cèdre et du charbon. Donc là, nous en étions là, ici, il faut qu'on fasse une petite route pour relier tout ça. Là, pareil, il va nous falloir... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai refait des... Oh là 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 là, mais catastrophe. Là, tout va bien, hein. Ah, et puis vous pouvez pas me le dire, je sais bien. C'est déjà enregistré. Ah oui, forcément. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 10. Parfait. On est d'accord que ça prend en compte. Et là, ça prend en compte. Très bien. Donc, ceci étant fait, il leur faut quoi, ces petits museaux de truite? Des œufs et du fromage. Donc ça, on peut faire. Partir par là. Voilà, on va se mettre au plus bas pour les œufs. J'espère que c'est bon. Oui, c'est bon. Deux. Comme ça, on a ce qu'il faut. 8 pour 4, très bien. Oui, il fallait mieux en faire deux. On sera tranquille. Ensuite, le fromage. Ah, la fromagerie. Donc la fromagerie. Est-ce qu'on peut la mettre éventuellement ailleurs? Oui, on peut la mettre ailleurs. Je vais essayer. Voir si je peux la mettre ici. Là. Ouais. Papa, que je raconte pas de bêtises. Je vais faire ça comme ça plutôt. Non, je peux pas. C'est pas un souci. J'en mettrai une troisième là. Comme ça, je peux partir de l'autre côté pour les fromages. La fromagerie, elle est là. Très bien. Et si je me fais une petite ligne droite, je vais peut-être pouvoir en placer deux. Trois même. Il me faut du yak.
Les yaks sont ici. Qu'on va recréer. C'est pas un problème. On peut faire ça. Ah, c'est dommage. Là, c'est vraiment dommage. Il y a une perte de place flagrante. Alors, par contre, est-ce que je peux dégager ça? Oui, je peux le dégager. Là, je peux en mettre un. Lui, j'essaie de le déplacer. Parfait, ça les prend aussi. Alors qu'il faut commencer déjà à jouer avec ça. Dommage, hein, j'aurais préféré le mettre un peu plus haut. Mais je peux pas. Ok. Donc là, on a les yaks. On a tout ce qu'il faut. Et notre production de fromage. Alors, par contre, oui, je vois ce que vous voulez dire. Et je comprends. Ce qui va se passer là, c'est que je vais mettre une partie du fromage. Puis je vais faire déjà. Non, ça sera au niveau 1 de recherche. Car là, on a ce qu'il faut. Là, on va faire la production de fromage, peut-être pour les citoyens ici. Et une partie pour les moines. Qui en produit quand même beaucoup pour l'instant. On a 21 drames hein, qui ne servent à rien, pour le coup. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on créera un comptoir commercial pour aller justement, et un comptoir routier pour aller dispatcher à gauche à droite. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant, on n'a toujours pas nos ustensiles, mais forcément, ça se fait tout doucement. Là, on va monter. Alors. La route, elle est où? Elle est là. Très bien. Parfait, donc là, nous sommes là. Ici, faut-il faire un pont pour traverser? Oui. Alors, je vais peut-être le mettre ici. Pour laisser libérer une place pour la pêche. On pourra pêcher après, au niveau 2. Là, il y a de l'eau. On va essayer de ne pas l'obstruer. Tac. Ok. Ça, c'est relier tout ceci. Maintenant, là, on construit une mimine. Une petite mimine. Aucune connexion routière, c'est pas un problème. Tu as connecté. Et je vais me le faire comme ça pour avoir la place de mettre l'autre. Donc là, on en a 4. Ça, c'est bien ça. Alors, c'est bien oui et non. Car on n'a pas débloqué le palier 1. Nous ne sommes pas encore au niveau de recherche 1. Donc ce qui sous-entend qu'on est quand même malgré tout obligé de faire nos petits moines ici. Sous la menace de cette magnifique avalanche. À moins que je les mette là. Directement. Ah, j'en sais rien. Les moines aiment bien les hauteurs quand même. Est-ce possible de les caler directement là? Très bonne question. Est-ce possible? Je regarde, je teste. Hein. Là, on fait des tests. Ouf. Ça monte sévère. Hein. Ça monte sévère. Et là, j'ai envie de vous dire qu'ici, si je fais le temple, l'académie, ici, ils vont être bien, mes petits moines. Par contre, ouais, c'est rustique. Hein. Je ferai venir de la bouffe directement d'en bas. Je n'ai quasiment rien créé, mais par contre, je vais construire pas mal de champs, si possible. Là, il faut que j'en fasse aussi. C'est pour ça qu'il faut pas trop faire de choses, car les places sont limitées quand même malgré tout. Alors, bien, après, rien ne m'empêche de venir par là, mais là, il y a un peu d'herbe verte, mais bon, c'est pas grand-chose. Enfin, on a beaucoup d'espace ici. Là, ici aussi un peu. Éventuellement. Ça pourrait relier cette partie-là. Eh hey, oui, pas mal. On va voir ça. Il y a pas mal de possibilités. Donc on va quand même tester déjà. Et voir si nos petites truites se portent bien. Donc avant de faire ça, je vais faire l'avalanche.
4, ça suffit peut-être. Je vais voir. Est-elle protégée? Oui, nickel. Bon, je peux la déplacer un petit peu à gauche. À droite même. Et il veut pas la déplacer. Sérieux. Ça, c'est agaçant. Parce que du coup, je sais plus où il faut la mettre. Ah ouais, non mais c'est fatigant. Là. On est bon là ou pas? Oui, on est en plein dedans, on est protégé. C'est bien niveau 1. Mais non mais je fais quoi moi? J'ai pas besoin de mettre d'arbres ici. Les arbres c'était là qu'il fallait les mettre. Et comme on les met pas, on est tranquille. Donc les arbres je les dégage. Bah oui forcément je les dégage. Ok. Ça pareil je vais la mettre en suspens pour l'instant. Allez, on se fait ça rapidos. Très bien. Ensuite, pour le coup, il va nous falloir des constructions, des habitations de moines. Je peux en mettre beaucoup pour l'instant. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Ouais, mais j'ai pas le choix, faut quand même que je fasse malgré tout des champs. Ouais, super. Ils vont rien bouffer, hein. Ici les champs c'est deux. Et deux ça va pas aller loin. Tu m'as compris? Ça va pas aller loin. 3. Et est-ce que je peux mettre un quatrième ici? Là, tac. Mais bon pour le coup je n'ai pas de centre commerce, enfin de marché, mais c'est pas un problème, on va le créer après. On va le faire tout de suite même. Ça distribue ou pas? Oui, ça distribue. Parfait. Donc là, on a du moine. Est-ce que j'ai assez? C'est combien ici qu'il en faut? C'est 28, 24, 3 et 3, 6. 24, c'est bon. On balance. Moins 122, direct. Hein. Donc là, on fait pause pour voir ce qui va pas. Donc ce qui ne va pas, c'est... Il me faut un habitant des plaines, il me faut 12 moines supplémentaires et 2 yaks. Donc 12 moines supplémentaires. On fait une copie. Je vais pouvoir mettre une ici. Là. J'en mets un peu. J'en mets parce que j'ai l'impression qu'ils vont être tatillons. Donc je vais relancer, on perd moins 2, mais ça c'est pas un problème, c'est moins grave que tout à l'heure. Là on va aller faire une baraque de plus. Voilà, on récupère 8. Ce qu'on peut faire, c'est mettre. Non, récupérer un petit peu d'argent. Hein, quand même. Ah si je peux. Ah bah j'y ai pas pensé à ça mais c'est pas vrai. Et puis comme c'est un petit peu problématique à poser, c'est vrai que la zone elle est pas grosse hein. C'est pas une grande zone. Je sais où je vais le mettre, hein. Je vais le mettre là mais on va faire ça comme ça. Ça je le déplace ici. Ça ça dégage. Là je le mettrai après. C'est pas un souci. Ok. Du coup, je peux le remettre. Parfait. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Il nous faut encore des yaks. Les yaks... Ah, je vais me faire une production. Je vais me faire des yaks ici. Ah, ça m'agace. On va se faire des yaks ici. On va être peinard, je pense. Je regarde s'il y a une avalanche qui peut secouer un peu mes yaks. Effectivement, il y en a une là. Donc là, s'il y a... Là, il y a une avalanche hein, qui peut se créer. Donc j'espère que ça va pas me coûter trop cher. Effectivement, donc on va protéger. On va protéger. Et ce qui va se passer, c'est que ça, je vais les décaler.
c'est pas un problème. Je déplace aussi. Hop, on est bien là? Parfait. L'avalanche, tu peux toujours tomber. C'est une combien de 2? Non, une 1 toujours. Ça, c'est bien. Il faut que les 3 soient reliés quand même. Donc là, c'est bien. Pour l'instant, ça s'est mis en place. Les artisans. Bah, les artisans, je peux les taxer aussi. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots. Par contre, là, je vais le décaler. Je vais le remettre un peu plus haut. Voilà. Il est bien. Il est pas mal. Les moines, j'attends toujours un petit peu avant de les taxer. Il me faut des yaks, on a dit. Donc les yaks, on va les faire par là. Mes petits yaks, venez ici. Trois. C'est pas mal, trois. Allez. Petite route. Bim. Voilà, on a 15 d'avance, ça devrait être bon. On pourra faire même des champs. Des champs de Sampa, mais ça par contre il faut qu'on débloque le niveau 1. C'est fait d'ailleurs. Bien, parfait, impeccable. On a débloqué le premier niveau. Alors, si on a débloqué le premier niveau, on pourra jouer avec ça. Car là ici, je ne sais pas s'il leur faut du fromage à eux. Non, pas encore, il leur faut du miel. Le fromage, pour l'instant, ils en ont. J'ai une fromagerie ici. Un établi à yak et puis une fromagerie qui est... Elle est où d'ailleurs? Là. Ok. Là, j'ai du rab. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup de rab. Est-ce que mes petits moines veulent du fromage? Ils veulent du fromage. Donc là, par contre, on va leur envoyer du fromage. Alors, c'est reparti. Donc, il faut que je me rappelle la procédure. Donc, logiquement, il faut que j'annule tout ça. Ici, j'annule. J'annule, là. Bah, t'annules aussi. On crée. Alors, est-ce que... Oui, on va créer un compte. Non, on n'est pas obligé de créer un comptoir commercial. Pour le coup. Ah, je peux directement faire ça. Mais non, c'est pas bon. Là, il envoie du lait. Et je m'en fous du lait. En fait, c'est vrai qu'on s'en fiche un peu. On s'en moque un petit peu du lait. Si j'envoie un petit peu ici, il fait les 6. Ok. Et le reste, j'envoie donc à une fromagerie que je place en haut. Alors, on va juste faire une fromagerie ici. Ouais, c'est ça. On va se faire ça. Établi à yak, tac et tac. Donc une petite fromagerie, sans prétention, bien sûr. Est-ce que je suis loin là? Ouais, je suis très loin. Si je fais ça, on est bon ou pas? Bien sûr qu'on est bon. Là, je pourrais peut-être la mettre là. Voilà, on va la mettre ici. Et pour le coup, je vais aller chercher mon fromage. Non, mon lait, ici. Et je l'emmène. Là. Tac. Et ensuite. Paf. Et là, mes moines sont heureux. Ils passent niveau 2. Au niveau des habitations. Il me manque un habitant des plaines. C'est pas un problème non plus. Habitant des plaines, me voilà. Ah, par contre, pourquoi sont décalés comme ça ces baraques là? Voilà. Parfait. On a un peu d'avance un peu partout, c'est très bien. Donc par contre, il faut quand même qu'on fasse nos ustensiles. Puis après, on s'arrêtera là, on est déjà une demi-heure d'enregistrement. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Mais là, on n'a pas fini. Hein. Après, ça peut aller vite, hein, vu que maintenant, on a fait... on est passé le niveau 1. Donc on a dit... Rappelez-vous. Le comptoir commercial, il peut s'occuper de 4 ateliers de chaudronnerie. C'est ici.
Tac. Il peut s'en occuper de 4, mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça coûte très très cher. Là, il va manquer des artisans. Donc, les artisans, on va les faire. Je vais en refaire, ouais, je vais en refaire un, et puis ça ira bien. Ils sont passés niveau 2 ou pas, eux? Ah, toujours niveau 1? Ah oui. Ah, mais ils ont pas la foi, les mecs. Je vais remettre la foi. Allez, c'est parti. Vous voulez la foi? Pas de problème. Vous avez la foi, là. Mais vous avez la foi, mais il manque un truc. Hein. Là, ils l'ont pas. Là, il l'a. Il l'a pas. Ah, oui. Alors, il est où le deuxième? Donc j'ai un temple ici. J'ai un temple. Et le deuxième ne fait rien, malheureusement. Lui est niveau 1. Ah, ça m'agace. Ça m'agace. Parce que... S'il prend tout là. Il prend tout ça. Non, non, c'est bon. Il prend tout ceci. Et lui fait le reste. Ok. On en a un en doublon. Moi, c'est pas grave. Il y en a qui ont une double bénédiction. Donc là... Bah non, mais il faut toujours que je refasse... ça n'empêche qu'il faut que je refasse une habitation. Maurice. Voilà. Tu fais ça. Ok. Donc, une fois que c'est fait, ça, on envoie ça, ici. Non, 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 c'est pas là. Annule. On réinitialise. Tout à fait, complètement. C'est là. Ça, ça va, ici. Et lui, après, il balance là-dedans. Voilà. Et donc ensuite, je peux faire un atelier, un comptoir de routier. Là, on bascule dedans. Et je balance chez les artisans qui sont là. Et là, je réactive le magasin d'accessoires. 44. Aïe, 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 j'ai pas assez de citoyens. Là, si, j'en ai assez, sauf que... Il faut que je balance aussi. Il faudrait que je fasse. Ouais, il faudrait que j'en fasse un là. Bah, je pourrais le faire ici à la place de ce pâturage pour yak. Ça, je le détruis. Je vais en refaire un ici. Contre-carré. Normal. Parfait, là j'ai ce qu'il faut. 14 artisans et. Ouais, par contre, faut peut-être pas que j'en fasse trop non plus. Attendez, si on va on va rectifier le tir. Ah, calme-toi. Un seul, il fallait. Ah, c'est petite avalanche. De l'autre côté, peut-être. Oui, elle est là. Par chance, il n'y a personne. Nous, nous sommes ici. Par contre, celle-ci, je vais quand même la protéger. Parce que je la sens pas. La prochaine, c'est pour nous. Ok, c'est pas mal, on protège, protection. Donc là on a fait nos yaks, c'est bon, il nous faut 14 artisans. Ah, il passe pas niveau 3, enfin niveau 2. Pourtant, une mandala, voilà, ils vont passer niveau 2 avec ça. Avec la mandala, je vais remettre ici. Paf. Alors ça sert à quoi? Les citoyens vivant à proximité ont accès à ce bâtiment. Bon, ça d'accord, c'est très bien. Donc beaucoup de personnes se demandent si les mandalas doivent être accrochés verticalement. On ne revit jamais l'âme courageuse qui décida de poser la question aux moines. Allez, il sera dissous de le mec. Donc 5 ans de construction, moins 7 pièces d'entretien et ça nécessite 5 moines. Forcément. Donc là, on upgrade et on est passé à 60. Parfait. Tac. Voilà, donc on continue. Donner à 50 moines accès à l'éducation, c'est fait aussi. Je sais que nous manquons de terre fertile, mais je me demande. Oh, vous voulez utiliser l'orge pour autre chose que la farine? Oui, nous pourrions brasser une boisson qui, vous voyez, aide à rester optimiste.
Absolument un or liquide frais et mousseux, juste ce qu'il faut après une rude journée de travail. Ou simplement pour adoucir un moment, pour oublier les choses sérieuses un court instant. Hein ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Voilà, donc là, on fera ça sur la prochaine vidéo. Hein. L'accès à 70 citoyens de la bière des auberges. Et la bière des auberges, ça ne rigole pas. Alors pour le coup, avant de clôturer, on va faire ce que je voulais faire dès le début. Comme on a quand même viré un champ de diac. On va mettre ça ici. C'est quoi, c'est bien un magasin, c'est ça. Et là, on va aller chercher donc le surplus. Là, on a un surplus de 7. Et ça, ça va dégager au niveau des citoyens. Paf, voilà. Et logiquement, ils sont heureux, les gars. Eh oui, regardez, ils sont tout contents. Donc, il nous faudra du miel. Oui, on fera ça sur la prochaine vidéo. On fera ça le miel. Par contre, il me faut un moine supplémentaire. Non, c'est un habitant des plaines. Il m'en faut un de plus. Bah, mais là, je commence à être restreint. C'est pour ça que toute cette zone, ça va dégager. Ça va dégager et je vais en faire des habitations, hein, j'ai pas le choix. Ah, faut réaménager. Hein. On continue. Tac. Je vais en refaire deux, ça je serai tranquille. Et maintenant, il faut des zones. Non, je veux qu'on quitte le jeu sans rien avoir à faire. En étant propre. Et là, c'est pas le cas. Là. Alors, les œufs. Non, je peux pas les mettre, les œufs. Si, je peux mettre là. Ouais, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Paf! On est bon. Les œufs sont posés. Donc, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien aussi. Là, on a dit qu'on refaisait un petit champ. Voilà. Parfait. 17 habitants des plaines disponibles. 18 artisans dispo. 39 moines dispo. 7 yak, niveau 1. La prochaine fois, et 319, on est quand même à 944, on a 2000, ouais, on est bien, 2200, on est très très bien. Donc on va s'arrêter sur cette vidéo, la prochaine fois il faudra qu'on fasse une auberge, et qu'on donne à 70 citoyens donc accès à la bière, gros objectif, ainsi que le miel. On a vu qu'il fallait du miel pour les citoyens, d'en bas. Donc n'hésitez pas comme d'habitude, si la vidéo vous a satisfait et vous a plu, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, c'est gratuit, et à mettre un commentaire. Merci beaucoup et à bientôt.